Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wassalam, wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kassiran, tawhiban, mubarakan fihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, chers membres de notre grande famille, chers abonnés à notre chaîne, la porte des secrets du Coran, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, bien avant de commencer, nous aimerions saluer tout le monde, tous ceux qui sont présentement abonnés sur notre chaîne. Vraiment, ce n'est pas facile. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, vraiment, après un aussi long moment d'inactivité, beaucoup d'hommes pouvaient partir de la chaîne, ou bien beaucoup d'hommes pouvaient ne plus suivre la chaîne. Mais vraiment, vous êtes restés fidèles et nous vous disons vraiment merci pour cela. Et vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense de la plus meilleure des manières, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme hier, on l'a vu, on a partagé un secret pour avoir un mouton pour la tabaski. Bon, un mouton, oui, le vœu que tu veux, quel que soit le vœu qui était le plus cher, tu peux écrire. Tu peux faire le zik et avoir et obtenir ce vœu-là, Inch'Allah. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons sortir encore avec un nouveau secret. Toujours, je le rappelle pour dire que nous n'avons pas débuté correctement. Vous voyez que nous avons changé le logo, on a changé beaucoup de choses, l'affichage et autres, tout ça. Vraiment, nous rentrons dans un nouveau processus, Inch'Allah. Et notre chaîne, je pense que ça va nous faire bientôt un an que notre chaîne a été créée et nous sommes à près de 13 000 abonnés. Nous vous disons vraiment merci pour cela. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons partager avec vous un autre secret, un secret aussi puissant qui va vous permettre d'exaucer vos voeux et qui va, on sait que la fête arrive. Vraiment, les dépenses sont nombreuses, les dépenses sont coûteuses. Vraiment, nous vous livrons ce secret-là, de le pratiquer. Et Inch'Allah, vous allez voir les revenus qui vont rentrer, les sommes d'argent qui vont venir vers vous, Inch'Allah. Alors, le secret qu'on va voir aujourd'hui, c'est un nom d'Allah, un nom caché d'Allah, Yakefi, qui veut dire le suffisant, celui qui se suffit, le suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. Comme on dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, mais ça c'est sous forme de protection. Quand on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est sous forme de protection. Allah me suffit comme il est, comme le meilleur garant, le meilleur gardien. Alors, ici, il y a Kefi, c'est le suffisant, quelqu'un qui se suffit à lui-même, quelqu'un dont la suffisance ne coupe pas, quelqu'un qui est suffisant et qui peut suffire quelqu'un. Voilà, donc c'est ce qui, Inch'Allah, avec l'enseignement de nos maîtres, c'est ce que nous avons appris. Alors, c'est un secret de Yakefi qui va vous permettre d'avoir au maximum, ou bien au maximum en tout cas, 250 000 francs pour gérer, pour ceux qui ont le moussajab très fort, avoir 250 000 francs pour pallier les dépenses de la fête, Inch'Allah. Alors, ce secret, nous vous livrons aujourd'hui à cause des événements de la fête. Et vous savez que dans les périodes des fêtes, le musulman dépense beaucoup, 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 beaucoup. Et il faut aider aussi les nécessiteux, ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer des moutons ou bien de la viande pour la tabaski. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça fait partie, tout ça, ça en compte. Et nous avons décidé de publier ce secret-là pour aider nos frères et sœurs à s'en sortir des difficultés et bien fêter, Inch'Allah. Et demain encore, Inch'Allah, si Allah le permet,
nous allons partager un autre secret qui va dans le même cadre que celui-là pour pallier les dépenses, Inch'Allah, de la fête. Alors, comment faire le secret? Vous allez commencer d'abord par des écritures. Les écritures, vous allez écrire Yakefi. Yakefi. Yakefi 66 fois, plus le Kawatim que nous allons voir vers la fin de la vidéo. Une fois, en Nancy, vous lavez tout le Nancy bien proprement. Vous gardez ça quelque part. Et vous allez venir maintenant, avant de commencer le zik, vous vous lavez avec le Nancy bien propre. Vous allez faire deux rakats. Et maintenant, vous allez venir attaquer le zik. Le zik, il s'est fait pendant 7 jours. Il s'est fait pendant 7 jours et chaque jour a un palier. Le premier jour, qu'est-ce que vous allez zikrer? Vous allez zikrer Ya Allahu 66 et Ya Kefi 1111 fois. Ça, c'est pour le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, vous allez zikrer Ya Allahu 66, Ya Kefi 2222 fois. Ça, c'est pour le deuxième jour. Ensuite, le troisième jour maintenant, vous allez zikrer Ya Allahu 66, Ya Kefi 3333 fois. Et ça monte comme ça pour aller. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au septième jour. Et maintenant, vous allez voir, le quatrième jour, ça va être Ya Allahu 66, Ya Kefi 4444 fois. Vous voyez, ça monte de jour en jour. De jour en jour, ça monte. Et vous allez faire ça comme ça pendant une semaine. Maintenant, le cinquième jour, vous allez zikrer Ya Allahu 66 et Ya Kefi 5555 fois. Ensuite, vous allez venir maintenant attaquer le sixième jour. Le sixième jour, vous faites Ya Allahu 66, Ya Kefi 6666 fois. Vous voyez, vous faites le zik 6666. Et le septième jour maintenant, le dernier jour, vous allez faire Ya Allahu 66 et Ya Kefi 7777 fois. Ça, et ça, c'est pour le dernier jour. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Après chaque zik, vous allez faire le vœu, ce pourquoi vous êtes en train de faire le zik. Voilà, vous faites le vœu. Chaque jour, vous faites le vœu. Chaque jour, vous faites le vœu. Inch'Allah, d'ici les 7 jours, même si vous avez eu votre besoin, d'ici les 7 jours, vous continuez le zik jusqu'à terminer les 7 jours. Voilà, et voici le khatim que vous devez mettre votre besoin au milieu du ha de Allahu. Vous faites ainsi en Nancy et vous l'écrivez sur un papier pour en faire un talisman. Pour mettre sur vous. Inch'Allah, une fois les 7 jours accomplis, Inch'Allah, vous allez voir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous venir en aide, qui va vous secourir dans vos besoins, Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. Sur ce, Inch'Allah, nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle recette. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ta'ala wa barakatuhu.